Bon, alors là, quelques semaines, je vous ai montré que ça avait l'air de fonctionner pas pire, macOS X, dans une machine virtuelle. Malheureusement, ça fonctionne pas tout à fait si bien que ça. Il s'agit juste de trouver les bons cas d'utilisation. Je voulais le pousser à bout, hein, c'est sûr. Déjà, on se rend compte que c'est long à partir. Vous vous rappelez que c'est un Core i7 avec un SSD. Ma machine virtuelle est sur le SSD. Puis pourtant, ça a pris tout ce temps à la partir. Première chose, on va montrer ce qui fonctionne. On peut browser le web. Je vais pas mettons aller. Hein. Déjà, c'est un problème, c'est la souris a tendance à se coincer dans les coins. Sur mon site web. Quand c'est trop petit, on peut agrandir avec Windows Plus. On peut aussi faire Windows Control Plus. Mais non, Windows Alt Plus. Ça fait un zoom à l'intérieur de toute l'interface macOS. Ça fonctionne très bien. Puis ça m'a servi à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui a fonctionné aussi? Quand même pas que ça qui a fonctionné. J'ai pu ouvrir un terminal. Encore une fois, c'est trop petit. Windows Plus va nous aider. Voilà. Je peux afficher le fichier. Je peux afficher l'espace disque. C'est très bien. On peut même voir que c'est un système 64 bits. Ce qui est encore une fois moyennement intéressant, mais pour le geek, c'est intéressant à savoir. On voit que c'est un système Unix. Ça, c'est un succès. Ouais. Mon éditeur de texte favori. Un petit glitch. Parce que j'ai grandi les caractères. Il aime pas ça, mais tu gosses un petit peu la taille de la fenêtre. Et voilà. C'est réglé. Bla, 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 bla. Oh là, il y a un petit peu de problème quand tu viens pour écrire un accent grave. Hein? Ça fait pas la... C'est pas la même touche. Ah, c'est pas la même touche, mais j'ai pu tout y trouver. Celle-là, c'est plus difficile. Celle-là, infaisable. En fait, ça. La saisie, elles sont toutes là. C'est pas trop pire. Là, je commence à trouver sur ton pays. Ok, j'ai presque réussi. J'ai même Open Office. Voilà, LibreOffice qui part. Ça part quand même assez rapidement. Oups, c'est ça. On commence à avoir les petits problèmes parce que la souris, elle tasse quand on clique. Très tannant. Là, les choses vont devenir intéressantes. Quand on commence à essayer de faire jouer de la musique dans la machine virtuelle, on va y aller avec Play. Je l'ai essayé Play. Une alternative à iTunes, parce que iTunes, le maudit cochon, voulait tout copier mes fichiers de musique sur la partition de 20 gigs de macOS, ça marchait pas. Mais Play fait pas de son. Il joue pas. T'es obligé de prendre iTunes. C'est triste un petit peu ça, mais bon. C'est ça Apple. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai un petit peu tripatouillé. Il a fallu que j'aille dans les préférences avancées. Imagine avancées pour ça, là. Sais-tu? Ben, c'est pas si grave. Que je zoome un peu, j'avais besoin de voir. C'est ça que j'ai enlevé. Copier les dossiers. Copier dans les dossiers iTunes. Et voilà, c'est juste ça qu'il fallait enlever. C'est réglé. J'ai pu insérer de la musique dans mon. Depuis qu'il vient d'un autre. Ah oui, c'est vrai. Je viens de rallumer mon Mac. Fait que là, il faut que j'aille me connecter au fichier. Ah, je peux pas faire ici. Le menu change. Faut que j'aille dans le menu du Finder. Avec Windows Tab. CTRL F2. Allez à. Se connecter. Ça, c'est la formule magique. SME de point slash slash direct local. Il n'y a rien d'autre qui va fonctionner. Ça prend le mot de passe magique et secret. Qui est celui de ma partition Windows. Puis celui-là. Si on ne fait pas ça, iTunes, il ne trouvera pas les chiens parce qu'ils ne sont pas dans les. Hein. Ils sont pas dans les Windows. Le drive n'est pas monté par défaut. Et là, on peut passer une toune. Là, vous allez devoir faire un acte de foi. Je vous dis que ça joue très mal, ça. Quoi? Je manque de base. C'est vraiment mauvais, là.
Là, t'écoutes ça un peu, tu dis. Voyons. Voilà, où ta souris marche au moins. C'est quand même pas mauvais pour ça. C'est étonnant, ils ont plus de punch que ça en réalité. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Avec quoi qu'on peut le tester là? C'est-tu iTunes qui joue pas bien ou c'est mon stack audio à cause de VirtualBox? Ok, je me suis logué avec mon affaire de Google. Je m'en vais ici. Là, c'est encore minuscule cette affaire-là. Faut que je m'arrache les yeux. Donc, je prenais celle-là. Celle-là, je viens de l'écouter tantôt. Là. Minecraft tutoriel. Ouais, je ne trouve même pas. Prends celle-là, n'importe laquelle. Ça va faire la démonstration. Ah oui. Ah, comment ça va dérater Kyoto? Ben, il sort des pubs. Pas si pire que ça, tantôt c'était pire que ça. Ah ouais, c'est ça, regarde. Jamais là, là. Minecraft Waking Up 1.03, flash après de même tantôt. Vous voyez? Y'a rien à faire. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, là, y'a plus rien. On va essayer de la répartir. La pause. Fait play. Il est en train de faire de quoi, mais on sait pas ce qu'il fait. Il est jamais là. Ce qui est encore plus drôle, c'est que... Ah, pour l'instant, il est correct, mais tantôt, quand j'ai fait jouer une vidéo, même le défilement était lent, puis tout le kit. Mais il n'y a jamais rien qui va sortir de là. Ben, c'est peut-être la vidéo. Celle-là, je ne l'ai pas vue tantôt. Je vais essayer d'en trouver une autre que j'ai écoutée tantôt. Je sais qu'il marche. Celle-là. Tutorial. Yeah. Minecraft tutorial. Hop, il est où? Merci. Cet épisode-là, je l'ai écouté tout à l'heure. Puis il m'achète avec une pub. La pub va jouer, elle. Il n'y a pas de problème. Mais l'autre devrait jouer au robot. Ignorer l'annonce, voilà. Là. Pourquoi ça joue pas? Ah, on commence à sortir des affaires. Pas facile de mettre plein d'écran. Voilà, c'est comme ça que ça joue. C'est chouette, hein? Ah ouais, j'aime ça. Là, on va shutter ça off. Ça se plante comme faut, hein? Parce que je trouve que oui. On essaie de fermer ça, ok. Ce que j'ai ouvert depuis tout à l'heure. Là, vous vous dites, ben, c'est VirtualBox. Peut-être qu'effectivement, c'est VirtualBox. Puis j'y ai pensé. Puis ça m'a vraiment buggé parce que mon setup est basé là-dessus. Et on va voir si c'est VirtualBox. Si on part vers Ubuntu, on va faire jouer la même chose que je viens de faire. Exactement. Là, voilà. Ubuntu il part un peu plus vite. Tu sais qu'elle est un peu mieux déjà, hein? Encore une fois, c'est l'acte de foi. Il y a plus de punch, il y a plus de bass. Pas de sens, hein? C'est le même système. Vous avez vu que c'est Linux sur une macOS. La même VirtualBox, la même version.
OK. YouTube, voilà. Allez, il part pas parce qu'il ne sait pas toi. Ah, il a toujours dit non, c'est pas vrai. Tout à l'heure, j'avais des problèmes d'internet avec ça. Là, ça sort minuscule, mais ici, contrôle mouse-wheel nous aide beaucoup. Abonnement. On va retrouver notre tutoriel de Minecraft. Celui-là va faire l'affaire. C'est juste une démo dans le fond. Il veut pas que je skip. Il va falloir que je trouve une façon de skipper les vidéos de YouTube. Déjà, on va en dévoiler plus loin que tantôt. OK. All right, now I can breathe easy. I'm going to keep my books here and my extra pants, of course. Il y a juste ça qui fonctionne pas. So as I had said earlier, screen, I need to start thinking about mais ça, c'est peut-être l'Ubuntu. My inventory, what I carry around with me. I just have to be smart about it and cautious. I don't want to bring too much. Et voilà. And potentially lose everything. For example, I think I'll keep a pork chop. I want to have some stuff behind here that I can use later. If I do die, I can come back here and get a halfway decent start. So, person of interest booklet here. J'essaie de quitter en contrôle plus de le faire. Non, Alt F4. Et voilà, Alt F4 l'a fait. Et voilà. C'est ça le pouvoir de VirtualBox. Et ce qui est bien avec VirtualBox, j'ai encore mon terminal. Et je peux aller chercher toutes les données qui sont sur mon machine. Machine Windows. C'est tout là.